toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire cette robe. Donc, c'est une robe là tout de suite, 0 à 1 mois, mais vous pouvez facilement la faire en beaucoup de tailles. Donc, en fait, ce qui va faire que la robe soit pour plus grand ou plus petit, c'est la chaînette de base. Donc, la chaînette de base, elle doit être multiple de 2, plus à la fin, donc quand vous avez obtenu votre multiple de 2, vous rajoutez 3 mailles supplémentaires. C'est tout. Ensuite, vous allez voir que cette robe est formée de petites boucles. Donc, de partout, il y a des petites boucles. Ces petites boucles-là, vous allez les compter et les diviser proportionnées à la taille que vous voulez. Donc, en sachant qu'il faudra toujours à peu près un petit peu plus de boucles sur les manches, donc 2, 3, les manches. Ensuite, vous divisez, je vais vous expliquer suite à la vidéo, vous allez voir comment je divise mon travail, ben vous allez faire proportionner à la taille que vous avez choisie. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir encore? Ensuite, le bas. Vous allez voir qu'il va y avoir des boucles au moment de former les manches, un certain nombre de boucles. Donc, pour petit ou pour plus grand, vous allez avoir un certain nombre de boucles ici. Ensuite, vous allez voir que c'est composé, juste, c'est toujours une question de répétition. On fait des boucles et ensuite, on va faire des mailles serrées par derrière, tout simplement. Les mailles serrées, c'est composé, il y a un rang où c'est 2 mailles serrées entre chaque boucle et un rang où c'est composé de 3 mailles serrées entre chaque boucle. Donc, dans toute cette robe. En bas, si vous le voulez, vous voulez le résultat exactement comme moi, je n'ai quasiment pas utilisé le rang des 3 boucles dans la partie d'en bas. Plus vous allez faire de rang de 3 boucles, plus vous allez voir que vous allez avoir des volants dans votre robe. Donc, elle va être vraiment, vraiment bien évasée. Moi, j'aime pas beaucoup. Donc, du coup, je l'ai fait moins évasée. Mais après, ça, c'est vraiment question de goût. Et voilà, ça se discute pas. Donc, pour la réaliser, j'ai utilisé de la laine qui était marquée 3, 3,5. Un crochet numéro 4 pour faire toute la robe, pour que le tissu reste bien moelleux, pour que ça soit pas rigide. Et un crochet 3,5 pour le derrière, juste pour la boutonnière et pour le point ici d'écrevisse. Des ciseaux, une aiguille à laine, du fil et une aiguille normale pour coudre le bouton et n'importe quel bouton que vous ayez à la maison. Voilà. C'est tout. On peut commencer. On va commencer cette robe par monter 55 mailles sur notre chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ça jusqu'à en avoir 55. Une fois qu'on a les 55 mailles, ce qu'on va faire, c'est travailler en demi-bride, mais en partant donc depuis le crochet, on compte 1, 2, et dans la troisième maille, on commence à travailler en demi-bride. Donc dans ce rang, vous allez faire des demi-brides individuelles dans toutes les mailles, jusqu'à terminer tout votre rang, et vous aurez 53 demi-brides au total. J'ai terminé mon premier rang. Donc le second rang, on va faire une maille en l'air pour monter. On va sauter une maille. Dans la suivante, on va faire une maille serrée. Alors attendez, que je vérifie que j'ai bien fait. Oui, je saute celle-ci, la première. Dans la suivante, maille serrée normale. Deux mailles en l'air. Et au même endroit, une demi-bride. Ça, c'est ce que vous devez répéter. Là, je saute un espace. Dans la suivante, je fais une maille serrée, deux mailles en l'air et au même endroit, une demi-bride. Donc, vous allez continuer à répéter ce rang-là, tout le rang. À la fin de mon second rang, donc à la fin, il me reste un espace ici. Je fais une maille serrée pour terminer. Et au total, vous voyez les petites boucles qui se sont formées, j'en ai 26 à la fin du deuxième rang. Maintenant, le troisième rang, vous tournez le travail, vous faites une maille en l'air. Ici, où on a fait la maille serrée dans le rang précédent, là, dans cette maille serrée, vous venez faire deux mailles serrées. Une, deux. Et maintenant, ce que vous devez répéter, regardez, entre boucles, en fait, la boucle, elle est composée d'une demi-bride, de deux mailles en l'air et une maille serrée. Il y avait une maille serrée, elle est là.
vous allez prendre le brin arrière de la maille et à l'intérieur, donc les motifs, vous les mettez vers le devant pour qu'ils ne vous dérangent pas. Et dans cette maille serrée, dans la maille arrière, dans le brin arrière, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, entre ici et ici, regardez, elle est là, la maille serrée. Vous faites la même chose. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je cherche la suivante maille serrée, je l'ai trouvée. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Tout le rang de cette façon. Terminez le rang numéro 3 avec vous. Donc le rang numéro 3, c'est... On va passer à la dernière maille serrée. Donc elle est là. Je prends son brin arrière. Je fais mes 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ensuite, à la fin, ici, je vais venir faire 2 mailles serrées au même endroit. Comme de l'autre côté, quoi. Regardez quand je le pose sur la table. Ça a la forme arrondie, en fait. Donc maintenant, le quatrième rang, c'est... Déjà, on va tourner le travail et on va faire une maille en l'air. Et maintenant, vous devez répéter le rang, en fait, le rang numéro 2. Donc, celui-là qu'on a fait là avec les petites boucles. C'est-à-dire, on saute un espace, dans le suivant, maille serrée. Deux mailles en l'air et au même endroit, une demi-bride. De nouveau, on saute un espace dans la maille suivante. Une maille serrée. Deux mailles en l'air et au même endroit, une demi-bride. On saute une maille dans la suivante, maille serrée. Deux mailles en l'air et au même endroit, une demi-bride. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. J'ai terminé mon rang numéro 4. Maintenant, on va passer au rang numéro 5. Vous pouvez voir que j'ai juste changé la laine, mais j'ai fait la même chose que je vous ai montré. Hein. Les mêmes indications. J'ai changé la laine et le crochet parce que je trouvais ça trop grand avec l'autre laine. Donc voilà, il n'est jamais trop tard pour se rectifier. Surtout quand, comme j'étais au début, je me suis dit, bon, ben, c'est mieux d'arrêter maintenant. Donc du coup, maintenant, le rang numéro 5, c'est une maille en l'air. Ici, dans la maille serrée, parce que j'ai terminé le rang avec une maille serrée. Au total, au fait, au rang numéro 4, j'ai 38 boucles. 38 petites boucles comme ça. Donc maintenant, dans la première maille serrée, je fais 2 mailles serrées. Et maintenant, on va répéter en fait le rang numéro 1, 2, 3. Le rang numéro 3, mais je ne fais plus 3 mailles serrées dans la maille serrée ici. Je fais 2 mailles serrées. Donc je viens, je regarde où elle est ma maille serrée, elle est là. Je vais derrière, j'attrape le brin arrière de la maille serrée. Et à l'intérieur, je fais 2 mailles serrées. Donc après avoir fait mes 2 mailles serrées, de nouveau, je cherche la maille serrée ici. Je prends son brin arrière et à l'intérieur, je fais 2 mailles serrées. 1, 2. Je vais à l'autre maille serrée et je fais 1, 2. Et comme ça jusqu'à terminer votre cinquième rang. Le sixième rang, on va commencer par faire une maille en l'air. Donc de toute façon, dans tous les débuts du rang, c'est une maille en l'air. Ensuite, on saute un espace. Dans le suivant, on fait le motif normal. Donc, c'est-à-dire une maille serrée, deux mailles en l'air et une demi-bride au même endroit. Donc ça, c'est pour faire les petites boucles. Donc en fait, vous allez continuer à faire le motif normal. On saute une maille dans la suivante, maille serrée, deux mailles en l'air et une demi-bride au même endroit. Maintenant, on saute de nouveau une maille dans la suivante, maille serrée, deux mailles en l'air et une demi-bride au même endroit. Donc ça, c'est le motif que vous devez répéter tout le long du rang. À la fin du rang numéro 6, je saute une maille dans la dernière ici. Donc sur la maille serrée, je fais une maille serrée. Donc là, j'ai toujours 38 boucles ici autour. J'en ai toujours 38. Numéro 7, c'est
une maille en l'air. Et là, ce que je vais faire, c'est ici dans la première maille serrée, ici, je fais deux mailles serrées dans le même espace. Maintenant, entre boucle et boucle, je viens et j'attrape le brin arrière de la maille serrée. Il est là. Une fois que j'ai planté mon crochet dedans, à l'intérieur, je fais 3 mailles serrées. Donc ça, c'est le rang numéro 3, si vous vous rappelez. Maintenant, de nouveau, je viens derrière la maille serrée, je prends le brin arrière et je fais 3 mailles serrées. Ça, c'est le motif que vous devez répéter. 3 mailles serrées dans chaque brin arrière de la maille de la maille serrée du rang précédent. Là, vous voyez, elle est là. Ça fait un petit trou entre boucle et boucle. C'est la maille serrée. Vous venez derrière, vous attrapez le brin arrière de cette maille et vous faites 3 mailles serrées dedans. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter tout le long du rang. J'ai terminé mon dernier groupe de 3. Donc maintenant, regardez, j'ai une dernière boucle ici. Cette boucle, je la saute. Regardez, dernière maille serrée ici. Je vais venir faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, j'ai terminé le 7e rang. Le 8e rang, c'est une maille en l'air. Je saute la première maille. Dans la suivante, je commence à faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et une demi-bride au même endroit. Donc là, c'est le rang numéro 2 qu'on est en train de répéter. Et je vais poursuivre comme ça. Je saute une maille dans la suivante, maille serrée, 2 mailles en l'air et une demi-bride au même endroit. Vous allez continuer comme ça jusqu'à terminer tout le rang numéro 8. Là, j'ai terminé mon rang numéro 8. Donc, je termine, en fait, j'ai fait ma dernière boucle. Et je vais faire une maille serrée ici, sur la maille serrée antérieure. Maintenant, le rang numéro 9. Donc, le rang numéro 9, c'est une maille en l'air. Ici, dans la première maille serrée, je fais 2 mailles serrées. Et maintenant, je vais entre boucle et boucle, derrière la maille serrée, et je fais 2 mailles serrées derrière. Regardez, vous mettez les boucles en avance, ça peut vous aider. Et là, vous avez votre maille serrée qui sort en évidence. 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc, entre boucle et boucle, il y a une maille serrée, vous prenez son brin arrière. Et vous faites 2 mailles serrées dans le brin arrière de cette maille serrée. Et ça, tout le rang. J'ai terminé mon rang numéro 9. J'ai terminé par 2 mailles serrées dans la dernière maille serrée. Voilà, tout simplement. Donc, je tourne mon travail. Et maintenant, le rang numéro 10, c'est le rang numéro 2. C'est-à-dire une maille en l'air. Vous sautez une maille. Dans la suivante, maille serrée, 2 mailles en l'air. Et une demi-bride au même endroit. Vous sautez une maille dans la suivante, maille serrée. 2 mailles en l'air, au même endroit, une demi-bride. Et on va faire ça tout le rang. Donc j'ai terminé le rang numéro 10. Donc maintenant, regardez comment on finit. Donc, j'ai fini ma dernière boucle et dans la dernière maille serrée, je fais une maille serrée et je tire mon fil. Là, en fait, je vais positionner le haut de ma robe. Donc, regardez bien comment on fait. Donc, quand on a positionné ça comme ça, on va compter comme ça. Donc, moi, je me suis coupé des petits morceaux de laine parce que j'ai pas de marqueur. Donc, je compte une boucle, une, deux, 3, 4, 5, 6. Et entre la 6e et la 7e, ici dans la maille serrée, je mets mon marqueur. Maintenant,
Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et entre la 15e et la 16e, je remets un marqueur. Ça, c'est ma manche. Maintenant, je tourne et je vais compter 13, parce que c'est pour le devant de ma robe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre la 13e et la 14e, marqueur. Maintenant, je compte 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et entre la 15e et la 16e, marqueur. Et à la fin, il m'en reste 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'au moment donc, de plier la robe, que je vous explique, au moment de plier la robe, il y a cette partie qui va monter légèrement. Donc là où il y a cette boucle. Alors cette partie où il y a cette boucle, il va monter légèrement sur cette partie. Tout simplement. Et voilà le haut de ma robe terminé.